invités. Mesdames, messieurs, bonjour. Est-ce qu'il y a du monde ici? Est-ce qu'il y a du monde ici? S'il y a du monde, je vais voir le la team de l'homme qui vient également de la municipalité de Fort-de-France et Mandé. Ça va, président? Super. Quel public, franchement, énorme, mesdames et messieurs, donc c'est une deuxième étape. L'homme de la province, c'est le maître du sang. L'étape du jour, on est appelé des patrouilles, bien sûr, par la team de l'homme qui vient localement et subventionné par la ville de Fort-de-France. On va parler donc représentant de la ville de Fort-de-France sur la ligne d'arrivée ici pour cette deuxième étape, première tronçon cet après-midi, également deuxième tronçon pour le transport de France. Ce sera donc le contre-la-montre individuel, tant attendu parce que ça nous marquait après deux années d'absence. Le tour de mesdames et messieurs, c'est que du bonheur, énormément de monde, énormément de monde, et un peu de voilà donc l'arrivée du team de
deuxième de l'étape, donc je vais parler de l'église là, et on va passer tranquillement. Mais je vous rappelle que c'est ce regard qu'on a déjà dû voir en dos de la porte ici, après 96 km, 800 arrivés du coureur, mesdames et messieurs. C'est le coureur du 7e Paris du Brelon dès le départ. Voilà, il a eu énormément de soucis mécaniques, notamment à la sortie de cette année. Au début de cette deuxième étape, Caracol qui avait descendu tôt, arrivé le moment où, mesdames et messieurs. Deuxième consent, premier coureur. Départ du premier coureur, 15h15. Nous suivons donc à plus pour le Fichot. Ensuite, giratoire, direction à Oui, à la RIC. Ensuite, giratoire de la Cimenterie, Oui, Victor Lamont, giratoire pour le Fichot. À plus pour le Fichot. Oui, giratoire de Kéris de retour. À plus pour le Fichot. En place François Mitterrand, le bar du général de Gaulle. À trois missions. Retour du général de la Gaulle. Regardez donc. Rouillé après 8,3 km d'après-midi, 8,3 km d'après-midi pour ce deuxième consent, deuxième étape de la métier d'après-midi, 8,3 km. L'étape toujours patronnée par la team Boulogne-Lancigne locale. Je rappelle que c'est Soraka qui a déjà dit à moins de deux qui l'emporte. Cette deuxième étape, 96 km 800 marins, comme le France. Axel Tailandier de la défense, c'est 3e place, c'est Rocras, Mario, Alberto,
et j'ai une winner team. Attention à vos coureurs, mesdames, messieurs, les coureurs derrière sur vos applaudissements. Merci beaucoup de vous applaudir. Merci à Marie Sono pour le tempo. L'arrivée ici à Port-de-France avec la team Boulogne-Martigues, le cadeau et bien sûr la ville de Port-de-France. Des applaudissements. Bravo, les gars. Super. Marc Aurel, sur la ligne d'arrivée. Marc Aurel, par-dessus la ligne d'arrivée. Nous sommes sur la bonne voie. Alors je peux vous dire que je pense qu'un garçon comme Rizal, s'il rentre dans une structure, il ne faudrait pas le garder ici. Malheureusement, j'ai constaté les propositions que j'ai déjà faites. Il est bien fils à papa, fils à maman, et c'est difficile de le laisser partir. Il faut absolument qu'il rentre dans un pôle. En France, alors j'ai mis en place avec d'autres collègues d'outre-mer, nous avons mis en place un pôle outre-mer qui est maintenant basé à hier au niveau du pôle France, et les très bons athlètes, nous pouvons les intégrer dans ce pôle. Donc je pense qu'il a le cursus pour ça. Et j'attends un petit peu, non seulement les parents, mais aussi son club, qui puisse, avec moi, faire la démarche, qui puisse intégrer une bonne structure en métropole, parce que je suis sûr qu'il a de très bonnes capacités. Il y a un autre jeune qui est... Bon, mais je... Bon, je vais arrêter de citer alors. Il faut faire gaffe. Ouais. Non, il y a des jeunes que j'ai déjà repérés, mais les clubs ont des difficultés à les laisser partir parce qu'ils estiment qu'ils ont trouvé une perle pour la Martinique, mais moi je veux des perles pour la Martinique, mais je veux des perles pour envoyer vers le national, parce que si nous voulons demain être champion de France, c'est pas en faisant la préparation ici que nous serons champion de France, il faut aller sur place, parce que le rythme de pédalage n'est pas pareil. Le rythme de pédalage qui est fait ici, c'est pas le rythme de pédalage qui est fait sur les courses en métropole, parce que quand une course part en métropole, c'est près de 200 par temps. Plus il y a du monde, plus il y a de la moyenne. Et si on veut réussir, il faut de la moyenne. Donc, c'est pourquoi j'essaie d'emmener quelques jeunes de temps en temps à participer à des compétitions en métropole. Oui. Très bien. Mais avant de finir, on a un qui est là-bas, qui est sur la bonne voie, pour ne pas le citer, c'est le jeune Oukou, qui l'an dernier a été champion de France sur piste par équipe, et cette année fait aussi de la route, et qui a déjà gagné pas mal de belles courses amateurs. Et aussi avec des professionnels. Ouais. Voilà. Et puis il y a un autre, c'est Melvin Landerlo,
tu connais, voilà, qui Mamaïmon Pito, qui est à l'Île-de-France et qui l'an dernier était champion de France, champion d'Europe et vice-champion du monde. Bon. Ouais. Oui. Absolument.